Alors, comme je l'ai marqué en titre, jamais dit 2, donc ça, bon, ça, je pense l'avoir dit tout à l'heure. Mais, donc, je vous le répète, je vous le redis. Si vous avez des questions relatives à la manette, savoir ce qu'elle vaut, savoir ce qu'elle est, enfin, bref. Si vous avez des questions relatives à ça, bah, j'attends vos questions. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'attends vos questions. Voilà. Mais non. Mais non, c'est le A. Ah, mais non, mais. C'est où je suis là? Non, c'est pas ça. Mais non. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Donc si vous êtes curieux de savoir ce qu'elle vaut, si elle est bof, si elle vaut la peine, etc. etc. Bah voilà. Donc si vous êtes curieux, bah moi j'attends. Je vous attends. On se croirait dans l'île au trésor. Et ça, à vue de nez, c'est deux pirates tombés dans une embuscade. Faut pas chercher. MSU à l'ouest. Ah ouais, c'est là-bas. Ouais, bon. Voilà, hop. Pour l'instant, on n'est pas encore là. C'est bientôt yet, mais pour l'instant, on n'est pas là. Bon, ça c'est bon, nickel. Ah oui, tiens, là-bas. Je vais aller là-bas. Plus j'y joue à ces petits jeux, enfin petit jeu, pas. C'est pas non plus un grand jeu non plus, hein, mais bon. Bah si, ça aussi, c'est un grand jeu quand même. Hein. Plus j'y joue et plus il me plaît. Bon, pour la caméra, vous devez vous dire un coup l'aimer, un coup l'aimer pas. Mais vous devez certainement vous dire, mais un coup l'aimer, un coup l'aimer pas, qu'est-ce qu'il fabrique? Je l'aimais plus. Parce que c'est ce que j'avais dit, je sais plus comment. Non, parce que après ça fait de l'écho, ça fait de l'écho, et comme je passe par OBS, je sais pas comment ça marche. J'y connais pas suffisamment en tout ce qui est audio, moi. Déjà, si je peux démarrer ma diffusion et qu'elle se démarre, qu'elle s'interrompt pas, que ma connexion elle déconne pas, etc. Moi, par le reste, tout ça c'est de la technique. Et moi, je suis pas technique. Donc moi, tout ce qui est technique, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. En fait, je pense que c'est dû à l'adaptateur que j'utilisais pour SaltMate. Parce que apparemment l'adaptateur il est pas fait pour failler, voilà quoi. Je pense que c'est certainement dû à l'adaptateur. On va dire qu'à l'époque l'adaptateur était peut-être bien parce que l'adaptateur était peut-être bien à l'époque, parce que pour les anciennes manettes, etc. Mais le problème de leur adaptateur, c'est que comme on peut changer le son, mais non, bordel. Alors, putain, mais
problème, elle peut grimper. Je suis quand même dingue, ça, pour pas grimper. Comme l'adaptateur, le problème, c'est que on peut baisser le volume, etc. Et le hic, c'est que, on peut le faire, c'est pas bien. C'est bien, j'ai pas dit que c'était pas bien, mais le problème, c'est que, c'est... C'est bien, mais quoi. C'est pas non plus top, quoi. C'est pas top, hein, parce que, c'est pas spécialement top, parce que... C'est pas spécialement top, le l'adaptateur est pas spécialement top. Enfin, quand tu passes par la Xbox, quand tu streams par la Xbox, oui, c'est bien. T'as pas les désavantages qu'il y a en passant par OBS. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. Mais, quand tu passes par OBS, c'est pas... Quand tu passes par OBS, c'est pas forcément... C'est pas forcément bien, quoi. Donc, voilà. Non, on va pas se risquer d'aller là-bas. On va pas trop se risquer d'aller dans un coin où je peux pas aller. Enfin, pour l'instant. On verra plus tard. Là, pour l'instant, on évite. On va éviter. Oula. Pour l'instant, on va éviter. Hein. Pas trop faire le con. Il y a un jeu par contre que j'attends là, et je pense que je suis pas le seul. C'est Cyberpunk. Et là, il va sortir en février, je crois, ou février-mars 2020. Je pense qu'il vaut la peine. Je pense qu'il en vaut la peine, Cyberpunk. Parce que c'est encore un truc à explorer. Et merde. Commencer ça. Putain, mais je m'en fous de ça. Mais là, il y a un truc là. Putain, mais pourquoi il veut pas le. Putain, là, il y a un truc là. Tiens, il y a des i, mais je peux pas lire parce que ça. Tiens, et là. Ah, bah, non. Ça va pas être...
pas une galère à grimper ça pour nous. Puis en plus la caméra, comme je le disais avant, la caméra... le problème de la caméra, c'est que ça... ça cache des choses du jeu, donc c'est pas... c'est pas le but. Moi quand je stream, j'aime bien que les personnes qui me regardent voient bien le jeu correctement. Ils voient pas le jeu à moitié. Bon, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, hein, je vais aller là parce que sinon ça va être pour je ne sais pas trop galère. Donc je préfère que les gens qui me regardent voient bien le jeu. Voient bien tout du jeu que de pas voir certaines du jeu, enfin bref. Bon, j'espère que mon titre il va. Enfin. Ce mixeur, j'y crois pas trop, mais bon. Ce mixeur, j'y crois pas trop. Mais Twitch, peut-être. Il y avait un truc qui va dire, ah bah tiens, la manette est hit, etc. Peut-être. Enfin. J'ai entendu pas mal de trucs. Si tout se passe, ça t'intéresse. Plein dedans. C'est comme tout à l'heure, on parlait de la liberté d'expression sur un stream. Je vois pas trop en quoi de. Après, je sais pas, après. Justement, ce serait intéressant d'avoir l'avis de. Ce serait intéressant d'avoir l'avis de certaines personnes qui me regardent. Selon vous, parler de cul. C'est bon. On va dire les choses, hein. On va dire les choses, hein. Selon vous, parler de cul. Est-ce que selon vous, parler de cul, est-ce que selon vous, parler de cul, ça rentre dans le. Est-ce que pour vous parler de cul, ça rentre dans le comment on appelle ça le ça rentre dans le comment on appelle on peut dire que c'est une liberté d'expression, voilà. Est-ce que selon vous c'est une liberté d'expression? Est-ce que parler de la verge d'une femme et de montrer à quoi ressemble la verge d'une femme, est-ce que selon vous c'est une liberté d'expression? Est-ce que en étant sur une plateforme de streaming telle que Mixer, Twitch ou même YouTube, pour moi ça rentre pas dans la liberté d'expression. Pour moi, une liberté d'expression, c'est de dire à quelqu'un que c'est un con. Ça, pour moi, c'est être libre. Par contre, parler de cul... Non. Pour moi, ça doit pas rentrer dans la liberté d'expression. Parce que malheureusement je crains, et malheureusement c'est ce qui est en train de se passer actuellement sur Mixer, je crains hélas que Mixer, ça va ressembler de plus en plus à ce qu'on peut voir sur Periscope. Moi pour y avoir été dessus, je sais à quoi ça ressemble. Pour avoir été sur Periscope, je sais à quoi ça ressemble. Je sais ce qu'on y voit, malheureusement. J'en suis pas fier, mais bon.
J'en suis pas tellement fier, mais bon. On va dire que ce périscope, il parle, si on peut appeler ça librement. Il parle librement de sexe. Parce que bon, faut dire les choses, hein, faut employer les mots, faut employer les mots comme on doit, comme il faut le faire. Il parle de sexe et... ça choque personne, quoi. Moi, ça me choque. Parce que sur une plateforme comme Mixer, parler de sexe, faut penser qu'il y a des gamins sur Mixer. Et des gamins, il y en a pas mal, des gamins sur Mixer. Donc, parler de sexe et que Mixer, ils ne font rien. Parce que Mixer ne font strictement rien. Ils espèrent. Je pense que Mixer sont responsables. Je pense que Mixer sont responsables dans ces cas-là. Faut bien qu'il y en ait un qui soit responsable et je pense que c'est Mixer. Quelqu'un qui se permet de parler comme ça. Enfin, moi, pour moi, personnellement, ce mec-là, il a même pas sa place de Mixer. Parce que si on laisse des mecs parler de cul librement. Parce que si on commence à laisser ces mecs-là parler de cul comme j'ai vu la dernière fois qu'ils faisaient, à ce moment-là, ça laisse la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et je pense que Mixer, ils sont mal placés. Ils sont très très mal placés pour, faire la guerre à ceux qui ont malheureusement oublié. Qu'ont oublié de préciser sur leur diffusion que ce qu'ils faisaient voir en diffusion c'était pour les moins de 18 ans. Je pense que Mixer sont très très mal placés. Parce que quand on se permet d'emmerder des mecs, tout ça parce qu'ils ont pas mis le bon Peggy. Par exemple, ils jouent à un jeu vidéo et ils ont pas mis le bon Peggy. Venez nous emmerder parce qu'on n'a pas mis le bon pays, alors qu'il y en a qui parlent de verge, et que eux, bizarrement, on va pas aller les voir pour leur dire, ah, tiens, en fait, vous êtes au courant, vous êtes sur une plateforme de stream, pas sur une plateforme où on parle de cul, etc. Et ces gens-là, bizarrement, on ne leur dit rien, ces gens-là. Alors, sous prétexte que sur Twitch, qu'il y en a qui parlent de sexe et qui montrent leur sexe, etc. Sous prétexte que ça se fait sur Mixer, sur Twitch. Alors moi pour ma part, j'ai jamais vu ça sur Twitch. Des personnes qui parlent de sexe sur Twitch, j'en ai pas vu beaucoup. Faudrait vraiment être très mauvaise langue pour dire que sur Twitch, faudrait vraiment être très très mauvaise langue pour insinuer que sur Twitch, il y en a qui parlent de ça. Moi, je sais que, bon, après, je veux pas prendre la défense de Pierre des Paul de Jacques, hein, mais, sur Mixer, faut pas non plus abuser, quoi. Sur Twitch, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, qui sont dans la limite de chez limite, mais de là à dire qu'ils parlent de sexe, non, je suis pas d'accord. Sur Twitch, à ce niveau-là, ils sont comparés à Mixer. Twitch, si ça va trop loin, si des mecs, ça leur arrive de parler de sexe, enfin. Pour ma part, j'en ai jamais entendu. Mais si un jour ça arrive, Twitch, voilà, ils y mettent un terme et terminé. Mixer, ils mettent un terme à quoi? Mixer, ils mettent un terme à rien, quoi. Ces mecs-là, ils parlent de sexe, c'est à chaque pas, quoi. C'est à chaque pas. C'est la liberté d'expression. Ouais. Pas sûr, hein. Pas sûr que la liberté d'expression soit applicable dans ce
Je suis pas sûr que la liberté d'expression soit applicable dans ce genre de... Je suis pas sûr que ce soit applicable. Pas sûr... Je suis pas sûr que ce soit applicable. Parce que si parler de sexe, c'est la liberté d'expression. Enfin, je sais pas, ça me... Non, c'est pas... Non. Bah, pour moi, c'est bizarre, mais il n'y a pas de liberté d'expression là-dedans. C'est non. Parce que si Mixer accepte ça, sans broncher, on va dire ça comme ça, s'ils acceptent ça sans broncher, accepter ça, c'est accepter tout n'importe quoi, quoi. Et je pense que ce Mixer, leur devoir, entre guillemets, leur devoir en tant que... Enfin, moi, je pense, après, je sais pas. Hein. Je pense que leur devoir en tant que... Leur devoir en tant que responsable de... Leur devoir en tant que responsable de plateforme, en l'occurrence Mixer, c'est de dire à ces mecs-là, voilà, vous, ce que vous dites, faut pas le faire, c'est pas acceptable, etc. Malheureusement, apparemment, il y en a certains qui trouvent que parler de sexe, c'est la liberté d'expression. Bah, moi non. Je regrette, hein, mais... Je regrette, mais non. Pour moi, c'est pas la liberté d'expression. C'est non. C'est... Voilà. Nous les petits streamers, on est obligés de... Nous les petits streamers, on est limite obligés de faire attention à ce qu'on dit, de pas froisser certaines personnes, etc. Nous, on est obligés les petits streamers de... On nous force entre guillemets de dire des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire, d'avoir une attitude exemplaire parce que ces personnes-là ont une voilà, parce que d'autres personnes ont selon Mixer une attitude exemplaire. Alors, je précise bien c'est sûr, hein, parce que dans les faits c'est pas tellement le cas. Et ce que je trouve pas normal, c'est que... à nous, on nous impose le... Ah merde, j'aurais pas ça. On nous impose très clairement le... Bah, on se tait et puis point barre, quoi. Puis eux, bah... Hey. Ah bon. Et où ça? Ah bon. Ah merde, bien sûr. Ah merde, c'est en sniper ça. Ah, fais chier. Ah merde. Ah merde, c'est en sniper ça. Fais chier. Recharge.
Je sens que je vais changer ça. Je sens que je vais changer un truc qui me plaît pas du tout. Ça me plaît pas ça. Mais non. Ah. Bon, c'est bon. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis, hein. Si, est-ce que pour vous parler de sexe que ce soit Twitch ou Mixer si on peut mettre ça dans le si on peut mettre ça dans le dire que c'est si on peut appeler ça une liberté de parler. Si on peut considérer ça comme une liberté d'expression. Bonjour à vous. J'ai besoin qu'on m'aide à localiser ce lieu. Vous connaissez ? Ça vaudrait le coup vraiment que vous alliez voir à cet endroit. Merci infiniment.
Et encore là-dessus, on en a 6 à couvrir si on veut pirater leur communication. Ah ! Je l'ai ! J'ai la cible en ligne de mire ! J'ai perdu un homme ! Ils ont eu Sal ! Ennemi touché ! Ennemi touché ! Tu me cherches ?
Éloignez-vous. Je suis occupé. Salut. Vous avez rien à craindre. Vous pouvez m'aider à trouver ce site ? Je peux vous indiquer un lieu que je connais. Merci. C'est gentil. Ouais, mais ils ont pas peur, mais comment? Ouais, mais là-bas je peux pas aller, c'est... Ouais, mais là où je peux pas aller, c'est fermé. Pas moyen pour aller là-haut. Je peux même pas aller là-haut. Je peux même pas.
Bon. Usine de moteurs hybrides. C'est là l'usine des moteurs hybrides. Bon. Bon, moi j'aime chercher un verre à boire. Il n'y a pas beaucoup qui sont curieux hein, pour la maladie, hein. Il n'y a pas beaucoup qui sont curieux. Ils sont pas très curieux là. Hein. Mais bon, comme je l'ai dit, la maladie, leur système de batterie intégrée, comme je sais qu'il y en a pas mal qui sont habitués à jouer avec leur bonne vieille batterie, à mettre des piles quand la batterie se décharge, il y en a, ils vont jusqu'à s'acheter des piles Duracell dans les magasins ou des piles Energizer pour éviter que leur batterie tombe en rade. Bah, avec la manette EID, plus besoin. Enfin, avec la manette EID 2, précise, plus besoin. Plus besoin. Mais le problème, c'est que, voilà, c'est ça le problème, c'est que, comme je dis, c'est. Soit ce genre de manette s'appelait. Soit ce genre de manette s'appelait et puis bon, y a pas de problème. Ou soit ce genre de manette déplaît. Ce qui peut être le cas, hein, parce que bon, bah. Bah. Voilà quoi. Je essaie de mettre les manettes comme là j'ai fait, mais sur Fortnite ou Call of Duty, voir un peu la, voir un peu le truc. C'est quoi cette merde? Oh attends, exagère pas. Oh exagère pas.
Oula, 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 oula. Mais non. Vous déconcentrez pas. Je pense qu'ils exagèrent quand même. Parce que j'étais pas si visible que ça, hein, pas exagéré. J'étais pas si visible que ça quand même. J'étais quand même pas si visible que ça. C'est un brouillage des accumulations de neurones, des gaz entre neurones. Ah, je commence quand même à m'approcher de ça. Hein. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé, peut-être. Riolo, mais bon. Et encore, je dis bien peut-être. J'aurais peut-être pas dû dire peut-être. J'aurais peut-être pas dû dire peut-être. Mais non, mais. Mais non, mais je veux pas de ça.
j'aurais pas dû dire peut-être. Ah si. Chalut bébé, alors les pieds cette mate. Bah moi je l'ai depuis tout à l'heure, ouais, elle est bien, ouais. Elle est Bah après ça dépend qu'est-ce qu'il veut savoir. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je peux te parler de la différence qu'il y a entre la élite 1 et la élite 2 si tu veux. Il y a une très grosse différence entre la élite 1 et la élite 2. Il y a une très très grosse différence. Même entre la élite, même entre les manettes simples, hein. Il y a une très très grosse différence. Il y a une très très grosse différence. Tout. Tu veux que je dise tout? Déjà par rapport à la manette ordinaire, déjà il y a une batterie intégrée. Elle a une batterie intégrée déjà. Ce qui veut dire que t'as plus besoin d'acheter des batteries à la. Ce qui veut dire que t'as plus besoin d'acheter des batteries dans un magasin, etc. T'as plus besoin de te creuser les ménages et te dire ouais combien de temps que la batterie va tenir, etc. La pile. T'as plus besoin de te poser ces questions là. La batterie elle est intégrée. Ensuite pour la recharger. C'est plus avec le tube de recharge. C'est plus avec le comment dire le. En USB c'est plus avec en USB S ou C ou je. Enfin c'est plus avec ça, c'est avec du USB-C. Parce que maintenant apparemment ils font plus qu'avec ça. Du USB-C. Après il y a quoi d'autre bon USB-C ça je te l'ai dit. Après au niveau du de la durée. Ah bon ils disent 4 heures si tu joues en Wi-Fi avec la console. Mais moi je joue Moi je joue câblé donc je joue avec le câble donc c'est pareil le câble il est quand même relativement long le câble. C'est pas un petit câble de 30 cm, non c'est un câble bah disons que entre moi et ma télé, je dois être à 3 mètres. Je dois être à peu près à 3 mètres. Entre moi et ma télé. Bah, le fil qui est vendu avec, il est très bien pour ceux qui. Il est très très bien pour ceux qui sont comme moi, qui sont pas non plus tout près de la manette. Qui sont relativement loin de leur bah qui jouent comme moi quoi. Ouais. Alors après le prix bon moi je l'ai. Après le prix c'est le prix c'est pareil hein, c'est 100 enfin moi je l'ai eu à 160 € sur Amazon. Donc voilà. Euh...
Le problème c'est que moi je sais pas. Moi je peux te dire. Je peux dire des choses, moi. Je peux les jouer, le Pingu, mais. Moi si j'ai. Bah, je sais pas, tu vois, je. Putain, mais il est où? Ah ok, je ne savais pas tout ça, merci pour l'info. Pour ça que si t'achètes la... Si t'achètes la manette Elite 2... Après, comme je te dis, le... Je te dis, le câble, il est relativement grand, long aussi. Il est long aussi. Donc, t'auras pas de problème de dire ouais. Et... Généralement les fils qui sont vendus avec, c'est toujours des. C'est toujours des petits fils. Bah. Ça va pas être bon ça. C'est toujours des petits fils à 20 centimètres. C'est toujours des petits fils 20, 30 centimes, 30, 40 centimètres, c'est même pas un mètre. Mais là, quand j'ai vu la grandeur des fils, d'ailleurs, je me suis dit, quand j'ai vu la grandeur des fils, je me suis étonné moi-même parce que je me dis, c'est grand le fil, non. Et vu que moi, je diffuse sur OBS. Que je diffuse dans ma chambre, je me suis dit, attends, il y a un camp là? Est-ce qu'il y a un... Il y a pas de camp, évidemment. Ah, oh, putain, il y a pas de camp là. Oh, il y a bien un camp là, non? Pas de camp. Chut, il y a pas un camp là. Ils sont tous partis, quoi. Oh, attends, il y en a bien qui reste quand même, non? Oh, attends, il y en a quand même bien qui reste encore là, non? Quoi ça? Tiens, je vais pas tuer. Hein. Attends, là où je crois qu'il y en a un qui reste là où. Ah bah si, tiens. Viens, toi. Allez, viens. Viens avec moi, là. Mais non. Donc, voilà. Oh oui, facile, hein. Facile, hein. 2m50, facile, hein. Facile. Oh oui, facile, 2m50, hein, facile, hein. J'irais même jusqu'à dire 3m, parce que 3m, à mon avis, quand tu vois la taille des autres câbles, tu te dis non, avec ça on va pas aller loin.
Là, avec ce, avec la taille des, avec la taille, là, je peux te dire que, je peux te garantir qu'avec la taille du machin, je peux te dire que. Et hop, tiens, viens, avec moi, toi. Là, 2 mètres, je peux dire 2 mètres, enfin non, mais, enfin non, même pas 2 mètres 50, 2 mètres, oui, 3 mètres. Enfin, dans les 3 mètres, quoi, dans les 3 mètres, mais pas plus, hein. Mais, je peux te dire que, voilà, c'est un bon câble, je pense qu'ils ont pensé, je pense qu'ils ont dû penser à ceux qui avaient pas de. Je pense qu'ils ont dû penser à ceux qui avaient pas de. Comment on appelle ça? Je pense qu'ils ont dû penser à ceux qui jouent dans un. Dans une. C'est dans un. Une chambre ou n'importe quoi et puis qui n'ont pas de. Qui jouent dans une chambre et qui n'ont pas forcément de. Oula! Voilà, merci bébé Cortana pour tes définitions trop sympa. Continue comme ça, c'était cool, et merci pour les infos. Il faut que je t'aille, je souhaite une excellente soirée. Bah écoute, hein, merci, hein, et puis toi aussi, hein. Passe une bonne soirée aussi. Passe une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Alors attends, je suis où là-dedans? Attends, est-ce que je suis où? Bon, là, il y a un bug, ça, j'ai ramassé. Tac, 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 tac. Attends, il y a un oubli, hein? Il est où? Bah ouais, mais si c'est si, celui-là, j'ai ramassé celui-là, ça marche pas. Attends, ah, y'a pas un zoom là, y'a pas un autre zoom, non? Parce que si c'est celui-là, y'a un petit problème parce qu'il veut pas s'ouvrir. Alors, si c'est celui-là, on va avoir un problème. Oui, bon, et hein. Je vous ai aidé, je vous ai dégommé les mecs, et puis après tu me donnes autant. Ah, peut-être là-bas. Bon bah voilà, normalement j'ai tout ramassé logiquement. J'ai tout ramassé. Alors, bon, alors, tiens, on va aller où il est là-haut. Tiens, on va aller là-haut, tiens. Hop. En tous les cas, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de courriers quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de courriers. C'est pour ça qu'à mon avis, la manette Elite. La manette Elite 2, je pense pas qu'elle va. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup qui vont l'acheter. Déjà parce que. Déjà parce que l'histoire de la batterie intégrée.
J'ai sur la batterie intégrée et puis le fait que ça soit en USB-C déjà, rien que ça. J'ai rien que ça à mon avis. Bon, après ça peut plaire hein, mais bon. Pas trop arrivé quand même quoi. Pas trop rêver quoi. Faut pas trop rêver. Mais bon, peut-être que. Comme on dit, peut-être que c'est un malentendu. Puis pour Noël, c'est... Ah, franchement, c'est un beau cadeau hein, pour Noël. Hein. C'est un beau cadeau. Hein. Sincèrement, c'est un beau cadeau pour Noël. Est-ce que c'est que ça? Franchement, pour Noël, c'est un beau cadeau. Un cadeau qui coûte cher, certes, mais c'est un beau cadeau. Bah, 169 €. Mais non, 160 € parce que moi je l'ai eu à ce prix. Normalement, elle vaut 170. C'est pour ça aussi qu'il y a un truc que Mixer ne font pas et qu'à mon avis, ils sont pas. Ils sont. Qu'à mon avis, ils feront jamais. C'est ce que j'avais. Ce que j'avais expliqué une fois à un mec. Et ça. Faut le camp, on lâche. Vous déconcentrez pas. Et où toi? La pompe. C'est bizarre, fusée à pompe, tout ça, c'est des armes qui me bottent pas. Mais c'est bizarre, hein. Fusée à pompe, c'est que c'est une marque qui. Je sais pas, c'est une arme qui me botte pas, fusée. Je sais pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est des bonnes armes, mais je sais pas, ça me botte pas, moi. Ça me botte pas. Je sais pas, ça me botte pas les fusils, ça me botte pas les. Je sais pas si ça me. Non. Je sais pas. Ça me botte pas. Même sur. Même si sur Fortnite, on me dit. Même si sur Fortnite, on me dit. On me dit comment. Sur Fortnite, on me dit que le fusil à pompe c'est bien, mais. Ouais. Je sais pas. Même sur ce jeu-là, le fusil à pompe. Bon. Même que je joue en facile. Pareil, les fusils sniper, ça me botte pas. Je sais pas, ça me botte pas. Ça me. Je sais pas. Je sais pas. Quelque chose qui me botte pas.
Il m'a l'air d'être mieux que le... Ce jeu-là m'a l'air d'être mieux que le... Ce Ghost Recon m'a l'air d'être mieux que le 1. Parce que celui-là... Celui-là, comparé au 1... Celui-là, on est seul. Le 1, on était... Il y avait 3 gars qui nous suivent, qui suivaient. Mais celui-là, on est seul. Ce qui veut dire que si tu fais le con, bah... C'est vrai qu'en termes de compliments, je dois bien reconnaître que ce mixeur, c'est pas souvent qu'on m'en fait des compliments. Et quand on me dit continue comme ça, c'est cool. Bah, les compliments, ce mixeur, c'est comme espérateur. Hein. Quand t'en as, t'es content. Hein. Quand t'en as, t'es content et tu cherches pas à faire ton difficile. Oula, oula, oula. Et tu cherches pas à faire ton difficile. Tu cherches pas à faire ton difficile. Comme les compliments, ça vient pas d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Comme les compliments, ça vient pas d'eux-mêmes, les compliments. Alors quand on en a, bah t'es content. Hein. T'es content. Parce qu'en fait, on a l'impression que les compliments. En fait, on a l'impression que les compliments, ce mixeur, c'est. C'est tellement dur de nous en faire des compliments que quand ils en font, on croit qu'ils se forcent. c'est dingue. Hein. Oh, mais moi je force personne à me faire des compliments, mais bon, c'est toujours sympa quoi. C'est toujours sympa d'avoir des compliments. C'est toujours sympa. Même si, bon. C'est toujours sympa d'avoir un compliment. Ah,
surtout moi, hein, je fais pas la moune. Hein. Je fais pas la moune. C'est pas mon genre de faire la moune. Bon là j'ai joué un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que ce soir y'a rien. Bon si y'a Burger Quiz, j'ai mon Burger Quiz. Voilà, c'est pour... y'a Burger Quiz je crois, y'a... Soit 10, y'a un truc de... je sais pas quoi. Y'a un truc y'a un truc captivant. Il y a un truc captivant sur... Il y a un truc captivant sur la fin du monde. Très très captivant. Très 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 captivant. Savoir si on pouvait... savoir si on pouvait éviter ça. C'est fou ce que c'est captivant. Enfin moi ça me captive, vous avez... vous imaginez même pas à quel point. Vous imaginez même pas à quel point. Ah voilà. C'est moi ou il y a une... c'est moi ou il y a une autre île là. Bon, j'ai envie de s'occuper de ça. Ah voilà. Elle devient de plus en plus claire là. Elle devient de plus en plus claire, hein. Oh, puis moi je prends le temps, hein, de toute façon, je suis pas aux pièces. Hein. Je suis pas aux pièces. Même la mission principale, je la fais même pas. Alors. Aussi, je vais la faire, mais. Je prends mon temps pour le faire. De toute façon. Hein. Comme on dit, on n'a pas bébé qui pleure. Hein. On n'a pas bébé qui pleure. Pour ceux qui me regardent sur Twitch, attends, ils sont balèzes les mecs là. Ils sont balèzes les mecs là. Balèze les mecs là.
Alors, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. Sans deux. Pour ça, c'est pas la peine. Si c'est visé, c'est pas la peine. Et 102. Tiens. Hop. 104. Oula. Comme ça c'est réglé. Comme on dit, problème réglé. Problème réglé. Bon, ben voilà.
Bon, ce que je vais faire, je vais à terre quand même, parce que j'ai mis, je vais faire sur mon téléphone. Ouais, je vais là, hop. J'arrête là. Bon, bah, en tous les cas, en tous les cas, comme je le dis, si vous avez des questions, si vous avez encore des questions sur la Xbox, sur la MTI 2, j'attends pour les prochaines diffusions. J'attends vos questions. Et je tâcherai d'y répondre. Voilà. Bon, moi sur ce, j'arrête là. Bonne soirée. Puis peut-être une prochaine fois.